Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Barbie. Pour ceux qui étaient présents, vous avez vu qu'il y a eu des petits soucis pour le faire en live. Mon chat et mon chien toujours en train de faire les fous. Ah mon doudou, oui, c'est toi que je parle. Oui mon chien. Et on se retrouve parce que la dernière fois qu'on a laissé Barbie, enfin du moins la fille de Barbie, elle venait d'accoucher et on savait vraiment pas à quoi ressemblait le bambin. Donc cette fois, on va voir. Hey hey! Et nous arrivons avec notre chère Louise qui n'a pas bougé, qui était en train d'allaiter au moment où on l'a laissée. Il est toujours en train d'allaiter, hein, elle fait que ça. Non, je rigole, elle fait pas que ça. Est-ce que Action Man il pourrait venir voir son fils? Parce qu'on a la chambre à refaire du coup. Alors, serré dans les bras, oui, bah oui. Lui, il en a rien à faire, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire des couteaux. Toutes les 30 secondes. Et donc, nous étions avec notre cher Action Man, qui venait voir son petit bébé quand même, son petit bout de chou. C'est un garçon, c'est un garçon. Voilà. Bon, oui, t'es bien avec ton papa. Bah, je pense que c'est son papa qui va le faire grandir, on va changer un petit peu. Quand il l'aura reposé dans son berceau. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce petit bambin. Oh, petit noobie. Oh, petit noobie. Oh, petit boudi, boudi, boudi. Nice. Alors, ce petit bambin, nous allons changer la couche, non. Voilà, voilà. Donc, il a grandi très très vite. Cet enfant, il a grandi vraiment très très vite. Et il a changé d'âge. Tout simplement. D'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on ait une nounou, hein. Kira, c'était vraiment une très très bonne nounou. Oh, Nid, Web. Oh. Genre là, il y a un arrêt sur image, il est en train de lui sauter dans les bras. J'ai l'impression qu'il ressemble ni à son père ni à sa mère. J'ai un peu peur. Ça va être un petit charmeur. Tout mignon. Un pot de colle. Ah oui, j'imagine bien un pot de colle. Coucou mon loulou. Pourquoi tu ressembles ni à ton père ni à ta mère? Il y a eu erreur sur la marchandise. Mais d'où tu sors toi? C'est pas les parents. Il a été adopté. Il a été adopté. Non mais il ressemble pas. Ah, c'est lui mon enfant. Ah, attends Ken, faut que je t'explique. Action Man. Oh purée, je vais avoir du mal à l'appeler Action Man. Je le sens. Bon, cette chambre. C'est du taf. Nous allons évidemment enlever ce magnifique berceau qui ne nous aura pas servi très très longtemps. Et on va aller trouver un lit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lit? Alors, on a un lit avec des dinosaures, un lit avec des étoiles, un lit avec des petits cœurs, encore un lit avec des étoiles. Et après, celui-là, c'est quoi? C'est une petite voiture. Ouais, mais je vois pas trop la voiture, là. On se croirait dans Cars. Non, bah, je vais peut-être partir sur celui-là, alors. De toute façon, on va devoir rechanger la chambre, donc je vais peut-être partir sur une dominante de orange. Puisque ça m'avait été demandé que ce soit un fan d'astronomie. Donc on va essayer de modifier un petit peu sa chambre et de faire comme s'il était un peu dans les étoiles. Puisque bah là on a une chambre totalement féminine. Pas de bol, hein. J'ai misé sur une fille et c'était un garçon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici les murs ça va pas du tout. Je partirais bien sur un bleu foncé pour les murs ou un bleu. Faire un peu étoilé. Mettre des nuages, mettre pas mal de choses. Alors, j'aimerais un bleu assez foncé quand même. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai pas des étoiles. Ah si, j'ai peut-être des... Non, c'est des papillons. Alors ça, c'est des petits lapinous. Ok, les dinosaures. Là, on avait que des fleurs. Ouais, là, on avait que des fleurs. Ici, on a l'impression d'être dans une salle de bain. Ah, comme ça, ça peut être joli aussi. Il y a l'air d'avoir pas mal de couleurs. Si c'est un dégradé de bleu pour faire ciel... Ça peut être super joli. Je suis sûre que la musique elle est trop forte. Je vais baisser un petit peu quand même. Parce que là, je suis à fond dedans mais... Tu vas bien Débo, respire. Alors, bah, je sais pas comment on va la faire cette chambre. Alors sinon on a du bleu comme ça avec des plaintes en bas, c'est joli aussi. Pourquoi je peux pas faire toute la pièce? Mais ah voilà. Oh non, comme ça j'aimais bien. Ok, on laisse comme ça. Donc la chambre, la maison de poupée. Même si les garçons ont évidemment le droit de jouer à la poupée, ça le fait pas. Qu'est-ce que je vais enlever d'autre? Bah tout ce qui est rose en fait. Même si il a évidemment le droit d'aimer le rose, je trouve ça plus joli du coup que bah il ait des couleurs neutres.
Donc on va rester sur du bleu, on va rester sur des choses avec des étoiles. Et je crois que j'ai des décors avec des lunes. Je dois avoir des lunes et des étoiles quelque part. Je vais essayer de trouver ça. Alors. Donc là, on a des ballons. Des ballons, des montgolfières, des petits lapinous, des petits monstres, des petites licornes. Et moi, je veux... Ok, alors les nuages, j'étais bien inspirée quand même, c'est que j'avais mis des nuages pour les lampes. Donc là-dessus, je dis GG des veaux. Maintenant, ce qu'il faudrait que je trouve, ce sont où sont rangées les lunes et les étoiles. Je sais qu'il y en a. Là, parmi les monstres, là, ou parmi les babettes, il y en a. Mais où? Alors, ça c'est quoi? Il y a des bachibouzouks un peu étranges. Faudrait que je vous raconte cette histoire, l'histoire des bachibouzouks. Faudrait que j'arrive à la retrouver sur internet et que je vous la raconte. C'est une histoire que j'avais eue, je crois que c'est en grande section de maternelle. Et je me rappelle encore de ce spectacle, mais j'étais, subjuguée. Ah oui, alors vous vous dites grande section de maternelle, ça fait une histoire pour les petits, tout ça, mais non, franchement, c'était cool. C'était vraiment cool. Oh, une petite coccinelle. Dommage qu'on fait pas sur le thème parce que là, elle est trop chou. Je la connaissais même pas, celle-là. Elle est adorable. Alors là, on a un robot. Mais je suis sûre que j'ai des étoiles quelque... Je suis sûre. Ah, peut-être dans les décorations de murs. Ah, voilà. En fait, c'est tout simplement là. Ok. C'est là. Alors, notre petit astronaute, c'est parti. On va lui mettre ça au-dessus de son lit. Avec des nuages. De la même couleur, un peu bleu. Voilà, bleu ciel. Ça fait le petit côté astronaute qui est vraiment mignon. Ensuite, là on a des petits lapinous, c'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des affaires divers. Alors là on aura peut-être quelque chose qui serait type astronomie. Est-ce qu'on a que des lapins? Non, ça le fait pas. On n'a pas grand-chose en vrai. Hein. Alors, dinosaures. Papillons. Et pour un fan d'astronomie, il n'y a rien. Il n'y a pas de... C'est ça qu'il faut que je trouve. Il faut que j'arrive à trouver des tableaux avec des étoiles, en fait. Bon, on passe à la mission tapis. Alors... Ici, on a des voitures, des petites fleurs, des couleurs, des étoiles. Ah, voilà, des petites étoiles. Bon, après, jaune et bleu, ça fait peut-être un peu étrange. Je pense que pour que ça fasse moins bizarre, il faudrait que je mette des petits meubles. Des petits meubles de salon, meubles de chambre. Alors. Ok, alors si je pars sur quelque chose comme ça. Alors la table jaune, ça pourrait s'assortir et ça pourrait être joli. Alors pour l'instant il est encore petit, mais pour quand il sera plus grand. On peut toujours la mettre pour l'instant en table de décoration avec des plantes. Alors. Quelque chose comme ça, ça peut être joli. Voilà, une plante, un peu de verdure, ça fait mignon, les petites étoiles, le coffre à jouer, le nounours. On n'a pas un nounours des étoiles. On a un petit chaton là, on a un petit poney là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit parapillon, un petit lapin, un petit coffre. Ah, le coffre, je pense qu'on en a avec un peu des étoiles, non? Celui-là, il fait coffre de voyage, mais ça fera l'affaire. Parce que je pense qu'on n'en a pas d'autres styles après. Marron. Et celui-là, je sais pas. Celui-là, il a un robot dessus. Et celui-là, il a un robot aussi, en vrai. Alors, ensuite... Hop. Donc, pour la chambre, c'est plutôt bien avancé. J'aime bien. La terrasse, on va faire en sorte que ça soit quand même assorti et on va mettre ça de l'autre côté. Alors, je sais pas trop où le mettre en fait, l'échiquier. Peut-être là. Pourquoi je peux pas? Alors ça, c'est dingue. Hein. Quand on n'a pas bébé move object, il y a tellement de choses qu'on peut pas faire. Alors, bébé move object. Move object. Voilà. Là, on est pas mal. On va mettre notre échiquier du coup exactement où on veut. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, on va décaler la porte un petit peu. Voilà, comme ça, on sera pas gêné si jamais ils veulent jouer, etc. Ensuite. Là, normalement, on a la place pour tout. Et donc, sur... chez notre petit chou,
On va lui mettre des plantes sur la terrasse, parce que de toute façon, il est trop petit pour avoir une table, des chaises, etc. J'ai pas envie qu'il passe à travers la rambarde, c'est pas le but. Donc lui, on va plutôt lui mettre des plantes. Voilà, ça c'est joli. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ouais, bah pour l'instant, on va lui mettre une plante, et puis de toute façon, en grandissant, on aménagera un petit peu le reste. Alors, c'est parti pour le let's play. Pour l'instant, je crois que pour la chambre, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre. C'est juste que notre petit chou, on va lui faire un petit relooking au niveau des tenues, etc. Et il a l'air énervé, là. Non? Il a pas une tête en mode... Ah non, là, il a l'air plus étonné, là, genre... Non, mais on va peut-être pas lui laisser cette couleur de cheveux, je veux dire, ni son père, ni sa mère ne l'a. On sait pas d'où il sort, quoi. C'est bizarre. Non? Il y a de quoi se demander. Alors, on va attendre que ça charge et on va lui refaire entièrement sa garde-robe. Donc, notre petit patachou, coucou toi. C'est toi que je parle, oui. Non, la couleur de cheveux, ça va pas du tout, hein. Hop, comme ton papa. Voilà. Ah, oh, ce bad boy. Mais ce bad boy. Alors. Je pense qu'il va faire un peu fouteux là, comme son père. Ça pourrait être stylé. Je sais pas si je le laisse en vert. Ouais, comme ça, c'est pas mal avec le maillot derrière. C'est obligé, il va faire du foot, ça va être un sportif. Je le vois tellement comme ça. Yeah! Petit pot de colle. Collé à maman et à papa. Oui, oui. Alors, le pantalon orange, je suis pas fan. Ce sera plutôt quelque chose de foncé. Un jean, ouais, voilà. Un jean foncé, c'est très bien. Avec une paire de chaussures, bah là les chaussures on va les assortir, on va profiter qu'il y ait du vert pour en mettre sur les chaussures. Ou un peu de jaune. Ah ce vert là il est vraiment agressif hein. Ouais bah noir alors. Ok ça c'est notre tenue de tous les jours, il est adorable. Bon c'est à vous qu'il a vraiment des bonnes petites joues là. Oui t'as des bonnes joues mon bébé. Bon oui. Très bien. Ça c'est ok alors la tenue habillée, waouh le pantalon rose, je suis pas sûre. Hein. On va changer ça. Voilà, avec les petites chaussures bleues, c'est parfait, vu qu'il y a les boutons bleus aussi, et c'est tout de mignon comme tout. Le pyjama. J'adore les pyjamas des... Bon, j'adore. Qu'est-ce qu'on a? Normalement, j'ai des grenouillères, voilà. Moi, je veux une grenouillère. Alors, qu'est-ce que j'ai comme grenouillère? Oh, le lion sur les petites fesses. Non, mais c'est trop chou! Alors, petit renard, petite girafe. Panda, tigre, couche-culotte de l'espace. Mon petit monstre chéri d'amour qui me colle partout. Ou le petit lapin. Oh. Bon allez, le lion. C'est le king de la maison. Allez, le petit lion, ça va le faire. Ensuite, la tenue. Alors ça, normalement, c'est la tenue habillée. Donc pour la tenue habillée, on va mettre le haut avec un foulard. Ça va être pas mal. Alors on va mettre du bleu, du noir, du gris, du bleu. Allez, bleu. Avec un pantalon relativement clair. Et une paire de chaussures. Bah pareil, on va essayer de garder ce bleu un peu foncé qui est sympa. Waouh. Arc-en-ciel. Non, il est adorable. De toute façon, l'âge bambin pour les enfants. Mais c'est le plus mignon. C'est le plus mignon. C'est vraiment trop chou. C'est ça. Lui, de toute façon, son rêve, c'est d'aller dans l'espace, sera de parler aux extraterrestres. Et étant petit, il est déjà fasciné par les étoiles et il adore regarder les étoiles. Mais là, il est adorable, il est trop chou. Mais il était temps de lui couper les cheveux, hein. On l'a laissé un peu trop longtemps, les cheveux longs, là. T'as déjà faim. Alors, je crois que je lui ai pas acheté d'assiette pour manger, par contre. Est-ce que je lui ai pris... Non. Alors là, c'est terrible, c'est que quand les chambres sont à l'étage et que c'est des bambins... Faut limite leur mettre tout, tout dans le, comment dire, dans la pièce, sinon c'est juste pas gérable. Donc ce que je vais faire, c'est que nous allons repartir faire des courses. Nous allons aller dans la catégorie bambin. Voilà. Nous allons aller dans la catégorie... Alors je crois que c'est dans les lits, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans les lits. C'est là. Et on va prendre la orange. Parce que bah, la orange, c'est celle qui va là. Et comme on n'a pas envie que notre bambin il nous en foute partout, on va le mettre sur la terrasse. Allez, salut. Je rigole. On va lui mettre ça dans la chambre, même si ça fait un peu bizarre de donner à manger dans la chambre de son enfant. Mais comme il y a encore des petits bugs, je trouve, avec les bambins,
Ça reste le plus simple, sinon il va mourir de faim. Ce serait dommage quand même. Alors, Louise. Donner à boire, donner à manger. Alors, donner à manger à Raffaello. Oula, attends. Va pas trop vite, respire. Compote, biscuits, céréales, chips, sandwich, petits pois, yaourt. Est-ce qu'on tente les petits pois? Il va en mettre partout. Ça, c'est vraiment le truc pour dégoûter ton gosse, quoi. Je déteste les petits pois. On va lui donner à boire. Arrête de regarder ton père quand il fait pipi, toi. Viens ici, viens manger. Voilà, elle lui a mis à boire, à manger. Maintenant, mission, le récupérer, le mettre sur la chaise. Et normalement, on sera... Ok! Tac, tac. Vas-y, pose-le lentement, gentiment. Nice! Alors, tu vas manger? Bon, déjà, il boit. Il a pris la boisson avant. Moi, je veux savoir s'il va manger ou pas. Alors? Verdict? Ah, ça a l'air trop bon ce truc à boire! Maman, c'est quoi le truc vert que tu m'as mis dans mon assiette? Mais là, il a des petits pois pour un régiment. Hein. Dans une semaine, il y a encore. Hein. Et il en a strictement rien à faire des petits pois. Mangez les petits pois. Non, il est pas pressé, hein. Oh, il mange ça à la main. Non, mais on mange pas des petits pois à la main. Je sais pas comment tu fais. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre des petits pois dans la main comme ça? Ça roule. Ou alors, faut les écraser, ça devient de la purée de petits pois et je pense que c'est encore pire. Il mange comme ça quand même. Ramiam. Il a tout mangé. Non, mais c'est pas un ventre que t'as soif, c'est un gouffre, hein. C'est un trou noir. Intergalactique, sidéral, tout ça, tout ça. Bon, on va le coucher parce qu'il est déjà claqué, je crois. Alors, lire une histoire à Raffaello et au Dodi, au Doda, au Dodu. Ma mère, elle me faisait ça quand j'étais petite et mon père aussi. Je me mettais sur ses pieds. Et pour aller jusqu'au lit, on faisait... Pa 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 poum, pa poum. Pa poum, pa 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 poum. Et en gros, on fait un balancement comme ça. Et quand tu fais un balancement, bah c'est plus léger. Et en gros, on avançait en faisant des balancements comme ça. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà fait. C'est hyper drôle à faire. Voilà. Mais les petits pois, c'est jamais passé. Jamais. Jamais, jamais. Alors, il était une fois. J'aime bien parce qu'il vient écouter l'histoire aussi. Dans un magnifique royaume. Ah non, sur une île déserte. Un renard qui était très, très intelligent. Ce renard qui se promenait vit une magnifique harpe. Et à côté de cette harpe, une jolie jeune fille qui en jouait délicieusement bien. Et voilà, on l'a endormi. Non mais, c'est toujours comme ça. Les histoires sont très très rapides avec les Sims parce qu'ils dorment très rapidement. Mais tant mieux, tant mieux. Faut juste pas qu'il se relève dans 5 minutes pour aller jouer, c'est tout. Bonne nuit, mon petit crapaud. Bisous, bisous, maman s'en va. Oui, oui. Alors, il y en a un qui est encore en train de faire ses couteaux. Alors, je veux pas dire, mais il en a quand même déjà 4 dans son inventaire. Oh, il a fait des sculptures. Excusez-moi. Alors, attendez. On va regarder ça de plus près parce qu'apparemment, il nous a fait des créations, là. Il a fait un éléphant en bois. On va mettre ça dans la chambre du petit, c'est trop beau. Voilà. Alors là, Action Man, je suis épatée, là. Mais c'est super kiki. Et un lapin. C'est adorable. Moi qui me disais, il fait que des couteaux. Non, en fait, des fois, il fait des créations. Bon, alors, ton fils, il aime l'astronomie. Donc, si tu lui fais des lapins et des éléphants, je suis pas sûre qu'ils aillent dans le ciel. Nice. Ok, alors ça c'est d'accord. Ensuite, nous, comment est-ce qu'on va? Bah, on pète la forme, c'est très bien, on va en profiter pour ranger ça. Histoire que demain, quand il va avoir faim, on pourra le servir au plus rapidement. Oh, il a fait encore quelque chose! Non. Un dragon! Sculpture de dragon. Non, mais c'est magnifique! Je t'ai sous-estimé là. Valeur 20$. Mais c'est un artiste! C'est un vrai artiste! C'est super chou. D'accord, bon. Bah écoute, fais-toi plaisir. Ébéniste dans l'âme. Amateur de bois. Alors. Voilà. Donc, Louise. Louise, bah elle est fatiguée. Non, Action Man est fatiguée. Louise, elle pète la forme. Bah, Action Man va te coucher, hein. Maintenant qu'on a refait cette magnifique chambre qui est vraiment mixte et qui est jolie comme tout.
Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc, notre petit Action Man est parti se coucher. Et on a Mr. Gate qui est en train de faire je sais pas quoi avec son lavabo là. Tant qu'on y est, on va lui faire faire un petit peu de sport. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'autre? Je sais pas quand est-ce qu'elle commence son travail. Je crois qu'il faut qu'elle travaille sur l'ordinateur, ses performances. Mettre à jour son statut de réseau social. Ok, en fait, ce que je fais tous les jours. Alors, on va mettre à jour notre réseau social. On va aller sur Twitter là un petit peu. On va payer nos factures aussi. Mettre à jour, on va vérifier les choses, on va payer les factures. Et on va. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Supprimer son profil? Non. Vérifier le nombre d'abonnés. Ah oui, d'accord, on peut même voir son nombre d'abonnés, mais c'est génial! En fait, on est youtubeuse, mais dans les Sims, quoi. Faut que je mette ça comme métier à des vovos. C'est excellent. Bon, elle est partie pour faire un peu de sport. Elle va puer le chameau dans 5 minutes. Bon, une fois que tu auras terminé ton sport, t'as du travail sur l'ordinateur. Hein. Tu prendras ta douche plus tard. Bon, d'ailleurs, un peu écourtée parce que sinon elle va puer et ça va être insupportable. Ah, le travail de Steven commence bientôt. Lui, ça va être son premier jour en tant que policier. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Bon, les factures sont payées, les réseaux sociaux, c'est ok. Normalement, on a dû grimper ici. Mettre à jour, ok. Tâche terminée, ça c'est très bien. Lui, est-ce qu'il avait quelque chose à faire avant? Participer activement à la journée de travail. Ok, bah ça, il va le faire. Par contre, j'allais dire, faut qu'il mange avant, mais c'est pas grave, on peut manger au travail. On accompagne Action Man, qui a son premier jour de travail de policier. Donc pour l'instant, il est encore qu'un simple stagiaire. Il va trier les papiers, il va faire des petits trucs un peu tranquilles, cool. Et après, bah, on va voir ce que ça va donner, hein. Et nous arrivons, il est temps de commencer à lutter contre le crime. Commencez par le début, utiliser l'ordinateur pour obtenir une affaire. Bien sûr. Tiens, tiens, on la connaît, c'est Morgane. Est-ce que quelqu'un peut nous libérer un ordi? Parce que ça va être compliqué d'avoir une affaire si on n'a pas de PC en fait. Morgane, toi t'es flic depuis longtemps ici, je peux t'emprunter ton PC? Se faire assigner une affaire. Voilà. Tut tut! S'il te plaît Morgane, je te connais pas mais ça te dirait de dégager de l'ordi pour que je fasse mon premier jour. Que je fasse mon premier rapport de stage, la pauvre. On l'a un peu jeté. Alors, on va faire notre première affaire et on va aller chercher un morceau à manger parce que sinon on va pas tenir. Tu sais que normalement il y a une salle de pause dans ce commissariat. Ah, voilà. Faut absolument qu'on mange quelque chose. On va acheter un sandwich. Un repas pré-cuisiné. C'est un peu plus cher mais au moins je suis sûre que j'aurai plus faim. Hop là! Alors, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Aller sur la scène de crime. Je crois que c'est là qu'il faut faire. Aller sur la scène de crime. Heureusement que je l'ai fait déjà une première fois avec notre père célibataire. Parce que je me souviens que le premier jour où j'ai débarqué au commissariat, j'étais mais totalement perdue, larguée. Je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. C'était horrible. Alors, ça c'est bon. Allez, mange ton encas tranquille. T'as du boulot là. Si ça se trouve, tu vas aller sur une scène de crime. Il va y avoir des gens qui vont être mourus, tout ça, tout ça. Il va y avoir du sang, du blood. Mais non, mais non. Faut avoir l'estomac bien accroché. La première fois, généralement, on vomit. Ah! Je le reconnais pas avec cette tenue. J'ai pas l'impression que c'est Action Man. Ça me fait très bizarre. C'est parti, scène de crime. Sur la scène de crime, vous pouvez trouver des indices qui vous aideront à identifier le suspect. Enquêtez sur les objets abîmés ou volés et cherchez des indices sur le sol à proximité pour trouver plus de preuves. Vous pouvez également parler avec des témoins pour obtenir leur version de ce qu'il s'est passé. Bon, une scène de crime, quoi. Alors, prélevez des indices sur la scène de crime. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Ah ouais! D'accord, d'accord, d'accord. Alors, c'est comme ça qu'on cherche des indices. Et là, il est en train de se faire un cocktail. Je sais pas avec quel collègue je bosse, mais à mon avis, on m'a passé les plus cassos, ça. Génial. Génial. Je sens qu'on va s'éclater comme des petits fous. Alors, prendre des photos de la scène de crime. Ça doit être par là, là, non? Ramasser, non. Elle est où la scène de crime? Elle est où? On va le laisser aller, hein. Il n'y avait pas quelqu'un qui a brûlé ici? Ou alors c'est très très sale? Non, il n'a pas brûlé, là. Prendre une photo d'épreuve. Prendre un échantillon. Il est mort en courant. C'est peut-être à l'étage, hein. On va voir. Ok, alors il y en a un, il est sur le PC. Mais personne n'en a rien à faire, quoi.
Sur 5 flics, il y en a 4 qui sont en train de faire totalement autre chose. T'en as un qui joue à Blick Block. T'en as un qui joue en bas au foot. Il y en a un autre qui est en train de se faire des cocktails. C'est la fête, quoi. On va enregistrer la déclaration du témoin. Enfin, le témoin, il est un peu plus de ce monde, mais bon. Si on a le droit de récupérer le témoignage, c'est pas mal. Alors, recueillir la déclaration, d'accord. Prendre des photos de la scène. Donc, il faut qu'on prenne des photos. Alors, je sais pas de quoi. On va s'asseoir sur le canapé, on va faire une sieste. Et alors, les prélever les indices, je vois pas non plus. D'habitude, il y a des choses sur le sol, etc. Mais là, on n'est pas vraiment aidé, quoi. On sait même pas où s'est passé le sinistre. On sait pas. On sait juste que c'est une scène de crime, mais on sait même pas où la personne est... Voilà, quoi, est partie. Alors, il n'y a pas d'enfant. Ça a l'air d'être une chambre d'enfant. Il se passe vraiment des choses louches ici, hein. Il y a l'étage, c'est encore plus bizarre. Il n'y a qu'un micro-étage. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a peut-être encore un étage. D'accord. Et après, c'est le toit. Est-ce qu'on a un sous-sol? Non. Est-ce que le cadavre a été caché dans le sous-sol? Bon, ça doit être ça, la preuve. On va ramasser, on va voir ce qui se cache là-dedans. On va fouiller. J'ai peur de ce qu'on va tomber là-dedans, mais bon. Imaginez, on tombe sur un morceau de doigt ou... Ou on tombe sur... sur Mélodie. Bon, apparemment, il n'y a rien ici. Faut prendre en photo, bah... Prépare un remède à base de plantes... Je vois même pas ce qu'on peut prendre en photo, quoi. Ah si. Apparemment, ça, c'est une preuve. Ah, tout ce qui a brûlé. C'est vrai que ça, c'est l'air d'avoir un peu brûlé. Ça aussi, alors. Ok. Prendre des photos et donc prélever. On va prélever des indices à chaque fois. D'accord, j'ai trouvé. Il y a 3 objets qui ont brûlé, apparemment, et... 4 objets même, le micro-ondes aussi a brûlé. En fait, j'ai l'impression que tous les appareils électriques ont brûlé comme s'il y avait une espèce de d'énorme... Comment ça s'appelle? Comme si c'était une sorte de petit... De court-circuit, comme si tous les appareils avaient pété. Je crois que ça nous est déjà arrivé une fois, que tout est pété comme ça. Chez... comment il s'appelle? Chez le fils d'Harley Quinn. Et je m'étais demandé ce qui se passait, tout a grillé, mais il n'y avait pas eu... Il n'y avait pas eu la police qui était venue chez moi, quoi. Alors, prélever des indices. Bah, on va prendre des indices sur le micro-ondes, je crois que c'est là où on n'en a pas pris. Prélever un échantillon de la preuve. C'est ici. Pourquoi il est en train de lire un livre devant le micro-ondes? Est-ce que je peux avoir une explication? Non, on n'a pas d'explication. D'accord, bah merci. Et ça c'est... Ok, bah prends en photo alors. Au lieu de lire ton bouquin. Il est en train de lire son livre tranquillement devant son micro-ondes. Il continue en plus. C'est peut-être la Bible. Et bon, s'il y a des calamars à l'intérieur de son livre, c'est que c'est pas la Bible. C'est que c'est quelque chose d'autre. Je sais plus quoi faire. Il nous manque des indices. Il faut que quelque chose soit encore brûlé. Ça doit être là. Pourtant, je l'ai pris en photo, celui-là. Ah, c'est bon. On a des échantillons avec des magnifiques petits cotons-tiges. Retournez au commissariat. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, on rentre à la maison. Commissariat. Je sais pas s'il faut que je prenne mon téléphone portable. On va le changer de couleur, d'ailleurs. Ah, il est beaucoup mieux en rose. Envoyer SMS, discuter. Non, juste rentrer au commissariat, parce que ça y est, on a fini notre travail. Prendre un autoportrait. Selfie! Regardez, ici, il y a quelqu'un qui a brûlé. Non. Je crois que c'est en lui cliquant dessus. Il est où, notre petit loulou, là? Bouge pas, surtout. Lis ton livre, reste tranquille. On retourne au commissariat. Voilà. Et nous sommes de retour au commissariat. Maintenant que vous avez rassemblé les preuves sur la scène de crime, il est temps de commencer à chercher un suspect. Utilisez l'analyseur chimique et l'ordinateur pour évaluer les preuves trouvées sur la scène de crime. Vous trouveriez peut-être des informations
sur la personne qui a commis le crime. Alors ça, la dernière fois qu'on a essayé, on s'est mais totalement trompé. Mais totalement. Réussir à utiliser l'analyseur chimique. Alors ça, d'accord, ça c'est ça. Mais moi, c'est quand il faut les trouver, quand on doit interroger des gens et qu'il faut ensuite les trouver dans la rue en fonction de ce que telle ou telle personne nous dit. Je trouve ça très compliqué. Alors on me dit, mais si, c'est facile avec ton portable. Mais non, c'est pas facile. Non. Bon là, si c'est juste l'analyseur chimique, on devrait s'en sortir. C'est la machine qui fait tout. Allez, tu vas réussir. Je crois en toi, Action Man. Action Man, le plus fort de tous les héros. Normalement, il trouve tous les méchants. Il n'y a pas de doute. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il a un don pour ça. Ah, mon petit Steven. J'ai confiance en toi. Je crois que tu es sur la bonne piste, là. Tu tiens quelque chose. Oui, c'est ça. Tu déchiffres bien, en plus. Ah. Non. Nib, je sens... Échec, je le sentais. Nip, c'est échec, ça, je le sentais. Je commence à parler le Sims un petit peu. Hein. Bon. Heureusement, on a encore 4 échantillons. Allez, cette fois, c'est la bonne. En plus, il a besoin d'aller prendre une douche. Oula, oula. Casse pas tout, casse pas tout. Oui! Promu au poste de Sim des sondages. Ah, c'est Louise! Ah, j'étais en train de me dire on a été promu. Non, c'est Louise, en fait. De chez elle, elle a été promue. D'accord. Bah, tant mieux pour elle. Bon travail! Ah, on a quand même réussi. Analyser les preuves venant de la scène de crime vous permet de découvrir des indices sur le suspect. Une fois que vous aurez fait votre propre affaire, vous devrez analyser beaucoup de preuves avant de trouver le suspect. Pour l'instant, utilisez un ordinateur pour enregistrer les preuves de la scène de crime afin que le détective senior puisse prendre le relais. Ouais, c'est bien ce que je dis, on est en mode stagiaire, quoi. Bon, à qui je vais piquer un ordi? À lui? Enregistrer une preuve sur la scène de crime. C'est parti. Tut tut. J'ai une affaire très importante pour le commissaire. Veuillez me laisser votre place, merci. Tac tac. Voilà. Parfait. Joli travail. Les preuves que vous avez trouvées seront utiles pour le détective en charge de cette affaire. Quand vous aurez votre propre affaire, vous devrez faire vous-même le suivi des preuves. Demain, vous apprendrez les prochaines étapes d'une affaire. Pour l'instant, consacrez du temps à enregistrer des criminels ici au commissariat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prendre des photos d'identité judiciaire à la station d'enregistrement. Fouiller les criminels à la station d'enregistrement et prendre des empreintes digitales. C'est où la station d'enregistrement? C'est là? C'est chez lui? Alors, lui, il nous dit quoi? Aller à une scène de crime? Non. Commander? Travailler à l'accueil? Non. Ah bah, c'est terminé. Et c'est la fin d'une belle journée. Et bah, c'est une très belle journée. Puisque Barbie et Ken ont été promus. Bon, même si Ken, comment dire, c'est une mascotte. Un peu bizarre, faut l'avouer. Mais eux aussi ont été promus, donc je suis très fière de notre petit couple qui s'en sort vraiment très très bien au niveau du travail. Vraiment très très bien. Je suis contente. Et puis on va retrouver notre petit bout de chou. Raffaello. Oula, alors là par contre il va pas très très bien. Donc, énergie, vessie, sociale, hygiène. Ah! Rien ne va plus. Alors, pause. Ok, on va y aller par étapes. D'abord, une pause pipi. Ensuite, une douche en buée. Ensuite, du social. Fais un bisou à ta chérie et demande-lui comment s'est passée sa journée. Ça devrait aller beaucoup mieux après. Des bisous partout. Des bisous dans le cou. Demander en mariage. Trop tôt encore, faut bien préparer ça. Faut faire ça bien, faut faire ça bien. Faut pas y aller à l'improviste. Voilà. Et dodo. Ah bah on a plus de place. Bah quand t'auras fait tout ça déjà, j'ai envie de dire, ce sera pas mal. Alors notre petit chaton, il a faim. Mais oui, mais ça j'en étais sûre. Mais ça j'en étais sûre. On vient quand même de le récupérer chez la nounou, il est affamé. Posez Raffaello ici. Donnez à manger. On va pas lui donner des petits pois à chaque fois, le pauvre chaton. Hein. Alors tu le poses. Voilà. Quoi?
Parfait. Et ensuite, on va lui donner à boire. On va lui donner du jus de pomme. Et on va lui donner à manger. À partir de l'inventaire, tiens, est-ce qu'on a quelque chose? Des haricots aux saucisses. Très bien. Il va manger de tout, ce petit bonhomme. Alors, ensuite, au dodo. Normalement, ils sont sociaux, mais alors le pauvre, du coup, il est en train de péter un câble sur sa chaise. Mouah. Par contre, elle était en train de nourrir son fils. Et alors là, elle l'a totalement abandonné pour son chéri. C'est beau de penser à son chéri, mais bon, ton fils, tu viens quand même de le poser sur la chaise, quoi. Et en plus, je crois qu'il a fait dans sa couche. Ça sent bon comme toutou, ça, mon chéri. Allez, tu manges ta compote. Voilà, c'est bien, t'es un bon garçon. Il avait faim, hein, il était temps. Et elle a pas voulu donner de la saucisse. Genre non. Oh, Kira! Festival des épices. C'est le seul endroit où acheter des ingrédients vraiment frais. Ah, non, non, non. Par contre, Kira, on peut quand même l'appeler de temps en temps. Alors, c'est moi où il fait des bruits super bizarres? Ah d'accord, il est en train de chanter sous la douche. Il chante beaucoup, Action Man, quand même. Hein. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Barbie! Barbie Junior, est-ce que tu peux donner à manger à ton enfant? Elle est buggée avec ses saucisses. Ah, elles sont pas bonnes en plus, ces saucisses. Je lui donne pas ça, hein, c'est pourri. Hein. Louise! Donne-lui à manger, mais pas les saucisses. Voilà. Pose les saucisses, pose. Elle les a rangées où? Elle les a mis sous le lit. J'avoue qu'il est adorable, ce petit garçon. Il est sage. Mais... oui, allez, oui, bah oui, oui. Ça sent les chaussettes pourries. Non, mais on est d'accord. Qu'est-ce que tu viens de dire, Morgiver? Qu'il en mettait pas partout? Il vient de mettre ses deux mains dans le plat, bot. Et là, il nous fait un caprice. Ok, il y en a qui parlent trop vite. Il est en train de nous faire une colère. Va te coucher, là. Va jouer au billet avec tes crottes de nez. Ouvrir. Ah là là, oui, oui, là là aussi, oui. Voilà, je crois qu'il faut le sortir de là. Il va aller jouer, ça va lui faire du bien. Voilà, va te détendre, mon chéri. Ça va plus du tout, là. Voilà, joue avec ton dinosaure. Détends-toi. Ah oui, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse, qu'on lui fasse prendre un bain ou quelque chose, parce que... oui, là, ça sent pas la rose. Prendre un bain. Donner un bain de mouche à Raffaello. Oui, oui. Voilà, dès qu'il aura fini de jouer, il va aller prendre un bain, ça va pas lui faire de mal. Et après, elle ira se coucher parce qu'elle est assez fatiguée quand même. Tu lui donnes un bain, tu iras te coucher après. Oh, ça va être la guerre du bain, là, je sens. Toi, tu demandes ton bain, s'il faut, hein. Louise! Arrête de regarder le lit comme ça! Ton fils pue! Il a la couche sale, il s'est mis du caca partout jusqu'au cou. Oui, bah oui, t'as raison d'être choquée. T'as été la première à dire qu'il puait, et maintenant tu veux pas le changer, quoi. Ah, la mentalité des parents, je vous jure. Bon. Et après, on va lui dire une histoire, on va l'endormir. Mais avant, ce serait vraiment bien qu'elle s'en occupe. Du coup, lui, il est venu lui demander. Un bain, un bain. Ah bah ça, ça l'a fait bouger, par contre. Voilà. Et bah, c'est pas trop tôt. Kira qui va encore nous inviter. Non, mais Kira, elle est bien gentille, mais elle se rend pas compte que nous, on a des enfants, quoi. Kira, elle garde les enfants de tout le monde, mais elle se rend pas compte que toi, tu dois aussi t'occuper des tiens. Voilà, là, je suis d'accord. Et ensuite, Dodo. Et Bamba, normalement, il pète la forme. Et bah, c'est cool, tout ça. Voli, volou. Alors, Action Man. Action Man. Oh, tout est passé. Bon, bah, à jeter. On gâche un peu de nourriture quand même dans les Sims, hein. Ça se gâte très vite et en plus ils n'ont pas le réflexe de ranger les choses dans le frigo pour que ça reste au frais. Alors, servir le dîner. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire de bon, Action Man?
Est-ce que tu sais faire à manger? Barbie. Non mais tout le monde nous invite toutes les 30 secondes quoi. Ah oui, d'accord, Barbie invite son gendre et elle n'invite pas sa fille. Genre elle peut crever la gueule ouverte avec des fourmis vivantes dedans. C'est pas très très gentil tout ça. J'ai entendu dire qu'il y a une super fête à la boîte de nuit en ce moment même, ça te dit d'y aller. Et elle en... le velours bleu. Elle invite son gendre au velours bleu. Non quoi. Non. Ça fait déjà le troisième Sims qui nous appelle. En plus, il nous appelle quand on dort, je veux dire. Avec les journées qu'on a. Alors, on a un petit garçon qui est super heureux d'avoir fait son truc. Très très content. Allez. Au lit avec Action Man. Et donc, on m'a dit que quand on cliquait sur les lampes, ça les éteignait. Cette pièce, tous les éclairages, d'accord. Oh, mais c'est super ça. Bon, par contre, faut penser à le faire. Faut penser à le faire. Mais c'est vrai que quand ton Sims dort, ça fait beaucoup plus réaliste si t'es à la lumière. Hop. Bonne nuit. C'est super comme ça, non? Éteins les éclairages. Cette pièce. Voilà. Et là, tu dis, bah oui. J'ai deux pièces où les lumières sont éteintes et il dort, mais à côté, c'est resté allumé. C'est pas mal. Ça donne un petit côté réaliste qui est pas mal. Il y avait un train? C'est où qu'il y a un train? On est d'accord que vous avez entendu chouchou comme moi, là. Est-ce qu'on est dans une ville où il y a un train? J'avais l'impression d'être... d'être dans Harry Potter avec le vieux, vieux train qui passait. Oh! Alors, on a mis du sel, on a mis du poivre, on a un vieux café qu'il va falloir vider. On est quand même en train de faire à manger à minuit 22. Normal. Oh, chouébé. Ah bah oui, c'est sûr que la cafetière, si elle est restée là depuis une semaine, ça sent pas, hein. Ça sent pas la rose des vents. Alors, est-ce que ça a l'air bon, ça? Normalement, c'est des macaronis au fromage. Ah, ça a l'air super bon. Oui, bah mange, mange. C'est pour ça que t'as cuisiné, hein. C'est pas pour que ça fasse joli, hein. Ah, Crimson Dolls, ça a l'air délicieux. Ah, il y a un éclairage automatique des pièces, ça c'est pas mal aussi. Ah ouais. Ah, je veux ça ici. Ah, notre gosse nous a réveillé. Éclairage automatique. Cette pièce. On va mettre pour les chambres en fait l'éclairage automatique. Ok. C'est vachement sympa. Ouais, parce que sinon j'ai envie de voir quand même ce qui se passe, mais... Et voilà, quand on passe, ça s'allume. Oh, mais c'est trop bien. J'adore. Ah. Bon bah au moins il avait faim et c'est servi. Ça c'est fait. Allez hop, on se met sur le pouf nounours et on mange. Bon appétit. Tout le monde a une fringale à 1h du matin. Non mais pas partout s'il te plaît Raffaello, tu seras mignon. Alors Louise, ah bah du coup elle est partie manger. Oh comment il fait son beau gosse. So. Mais oui t'es mignon mon chéri. Mais oui t'es beau. C'est important de dire à son chéri qu'il est beau. Oui tu es beau. Je te fais des bisous. Le bisou, le bisou. On peut pas faire un bisou là. Exprimer son affection. Attends Action Man, il faut que je te dise que tu comptes énormément pour moi et tu es quelqu'un de très important et tu... Enfin tu vois, j'ai des sentiments. Ouais. Oh. Le bisou, le bisou. Non mais on va pas pleurer pour avoir un bisou quand même. Ah voilà. Ils sont passés en geôleur quand même. Quoi? Genre au moment de... Attends. Au moment de lui faire un bisou, il est parti. Ah, c'est un père. C'est un vrai père. Il préfère aller voir son fils que d'embrasser sa femme. Enfin sa future femme. Pourquoi il est choqué? Pourquoi il pleure? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi il est triste? A fait un cauchemar. Oh, pauvre petit chaton, il a fait un cauchemar. Et donc pour ça, on est privé de bisous, quoi. Bon, on va lui lire une histoire. On va le mettre au lit. On va s'en occuper.
ça va bien se passer. Papa va te mettre au lit. Papa va te raconter comment les dinosaures ont disparu de l'univers. Voilà. Et comment s'appellent les planètes. Il était une fois un oiseau qui venait d'Afrique, qui était rouge et qui volait tout ce qui brillait. Allez, écoute la musique. Un jour, il rencontra une jeune grenouille au bord d'un étang. C'était le jour de son anniversaire et elle le fêtait toute seule. Elle était terriblement triste. Alors, un astronaute arriva, suivi de plein de lucioles. Non mais là, je peux pas, Ken. À un moment, je veux bien créer des histoires, mais pourquoi il y a une luciole avec un astronaute qui se balade autour d'un étang qui fait son anniversaire? Je veux dire, faut être cohérent quand même avec les enfants. Après, ils se font des films. C'est pour ça qu'il fait des cauchemars. C'est un enfant, il rêve de voir les étoiles et d'être peut-être un jour astronaute et il adore le ciel et tu lui dis que l'astronaute il s'est crashé et qu'il a rencontré une grenouille qui fêtait son anniversaire. Moi je m'inquiéterais, hein. Il va finir par aller voir un psy, ce petit bout de chou là. Bon, par contre, faut le laisser dormir. Ah d'accord, et elle vient lui faire un bisou devant son fils. Non mais stop, vous deux là. Allez ici, arrêtez vos bêtises, laissez dormir le petit. Mais j'ai dit Ken, mais oui, parce que pour moi c'est une Barbie, et donc Barbie c'est Ken, et j'ai encore du mal avec le fait que lui ce soit Action Man. J'ai vraiment du mal, il va y avoir beaucoup de fois où je veux dire Barbie Junior, et beaucoup de fois où il va se transformer en Ken. Va falloir s'y faire. Hein. Bon, en tout cas, vous aurez vu la tête de ce magnifique petit bout de chou. Notre couple, ça avance bien. Ils sont vraiment heureux tous les deux. Ils ont bien avancé au niveau de notre métier. Nous, on va rester là pour cet épisode parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident pour moi de le faire comme ça sur Twitch. Mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. Et demain, on retente évidemment les lives sur YouTube. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous laisse ici. Ciao, ciao! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.